Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 29 mars 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Danseau. Salut. L'équipe des Noirs et Bruno Gervais. L'équipe des Noirs. Vous regardez laquelle? Celle-là, c'est quand on est tous nous autres. Ça, c'est quand c'est juste toi et moi. Okay. Gabin, il va switcher. Ah, je... Gabin. C'est là, c'est celle-là. C'est bon. Quand c'est... t'es pas sûr, regarde dans le milieu. Je suis prêt. Les deux. Bienvenue à On Jase. On va bien sûr revenir sur cette défaite du Canadien 6-2. Une défaite, je vais être honnête avec vous, qui est le fun à analyser, qui est le fun au lendemain de discuter. Il est arrivé plein de choses dans ce match-là. Donc, on va parler, bien sûr, avec Bruno ainsi que Luc et vos commentaires, bien sûr. Et dans quelques minutes, Normand va se joindre à nous. Dans le cas du Canadien, Luc, on s'en allait du côté de Winnipeg après ouais, le match. Oui, entraînement 14h, si ma mémoire est bonne, à Winnipeg aujourd'hui. Bon, enfin, dans ce temps-là, Bruno, on laisse dormir les gars, ils se lèvent un peu plus tard, puis on fait un entraînement dans l'après-midi. Oui, dans l'après-midi, faire bouger les jambes, délier les jambes un peu avec un long voyage et au besoin. Tu es rendu à ce statut de la saison, là, c'est pas des entraînements beaucoup sur les X, sur les O. C'est plus fais ce que tu as à faire pour te sentir prêt pour le prochain match. Est-ce qu'on fait du vidéo à l'hôtel avant d'aller à la pratique? Comment ça fonctionne? Le Canadien a perdu 6-2 dans l'avion, c'est comment? C'est en train d'être tranquille. Ouais, c'est sûr que c'est lourd, surtout à ce stade-ci. Puis tout le monde le savait. T'sais. Du côté de Columbus, il disait, c'est il y a du monde qui mentionnait que c'était le match le plus important quasiment de leur histoire. T'sais, pour ce qui est de faire les séries, présentement avec le fait qu'ils sont un peu plus all-in cette saison. Pour le Canadien, c'est la même chose. C'est un match extrêmement important. Quand tu regardes le calendrier, ce qui reste au Canadien, d'être capable de se donner un coussin ou donner un bon coup à Columbus à ce moment-là, c'était super important. Tous les gars savent, tu n'as pas besoin d'expliquer la situation. Fait que c'est sûr que c'est silence, c'est bien tranquille dans l'avion. Tu as un mélange, il faut que tu vives cette frustration-là, mais à minuit, tu tournes la page, puis il y a encore espoir, puis il faut qu'il continue à y croire. Il reste 4 matchs, il y a des points à aller chercher. C'est très, très, très serré entre la Caroline, Columbus et le Canadien. Mais pour t'as les gens qui nous écoutent, juste savoir, le lendemain matin, là, ils mettent-tu le cadran? Ils laissent-tu dormir jusqu'au brunch? Si on mange des bines devant la vidéo du film d'horreur Diag, comment ça marche? Bien, habituellement, là, l'horaire va varier, mais habituellement, tu te laisses dormir un petit peu, là, dépendamment de l'heure d'entrée. Puis tu vas t'arranger pour qu'ils se lèvent. Tu veux pas que les gars dorment jusqu'à 2h l'après-midi, c'est pas ça le point. T'aimes mieux qu'ils se lèvent à un certain moment, que ce soit une réunion d'équipe, une marche, un petit quelque chose, se rendre à l'aréna pour juste les faire sortir du lit. T'as une séance vidéo, t'as quelque chose, t'as une rencontre, rencontre certains joueurs individuellement si t'as besoin. Les gars, bon ben, ça embarque sur les rouleaux, se stretcher, peut-être un peu de bicycle. Tu fais ce que t'as à faire pour récupérer. Puis si tu as besoin de rattraper le sommeil, tu retournes dans l'après-midi pour une petite sieste. Mais c'est mieux de même que de dormir jusqu'à 2h l'après-midi, comme des adolescents. Puis d'après ça, t'es tout mêlé. Avec le décalage et tout, là, ça devient un peu trop mêlant. Fait que tu te lèves, vas à l'aréna, rencontre, café, tu tournes la page. Là. C'est sûr que c'est décevant comme défaite, mais tu regardes en avant. Là, c'est les Jets de Winnipeg. Qu'est-ce qu'on peut faire pour battre les Jets? C'est clair. Normand Flynn, salut. Hello, Normand. Yes. Toi, tu fais quoi après que ton équipe ait perdu comme hier 6-2 alors qu'il reste 4 matchs? Fais-tu bien du vidéo? Tu n'as pas besoin de leur montrer ce qu'ils ont fait de pas correct? Mais écoute, c'est évident que la première chose à faire, c'est d'essayer de recrinquer la motivation au max. Là. C'est de sortir les points positifs de ce match-là, puis d'essayer plutôt de regarder vers l'avant. Tu ne changes rien en regardant en arrière, c'est évident. Puis, tu sais, il n'y a quand même pas 20 points d'écart. Là. Ils sont à égalité, puis c'est le Rogue qui se sépare présentement. Fait que, ils ont des matchs à gagner, eux autres aussi. Mais faut que tu t'occupes de ton équipe. Puis je pense que moi, le gros de la job à faire pour les coachs, c'est là, ils ont débarqué un petit peu de la croyance. Fait que faut te rembattre dans la croyance en les donnant tous les points positifs qu'ils ont fait, qu'ils ont accompli durant la saison. Puis là, t'arrives dans le dernier stretch, puis on prend ça match par match, puis on va vivre comme si c'était nos derniers moments. On va tout faire pour essayer de gagner. Puis, je pense que c'est un grand élément de motivation. C'est pas juste une question de tactique. Oui, tu peux faire du vidéo, c'est sûr, ça nuit jamais. Mais je pense que le gros qui se passe présentement, c'est dans la tête, puis d'avoir la foi en leur équipe. On va y revenir aux attentes, au calendrier, à tout ce qui s'en vient pour le Canadien dans les prochains jours. T'sais. Juste pour mettre les gens comprennent à quel point le Canadien s'est mis un pied dans le marasque. Ça, je disais à Luc tantôt. Mettons que Columbus gagne 3 sur 5. Il en reste 5, il gagne 3 sur 5. Ils font 6 points. Le Canadien, pour faire 6 points, il faut qu'il remporte 3 sur 4.
Fait que ça veut dire qu'il leur reste une défaite. Et là, à 3 sur 4, il passe pas à cause du rôle. Fait qu'à 3 sur 5 pour Columbus, Canadien, ça doit te faire 4 en 4 ou faire 3 demi en 4. C'est ça, faire 7 sur 8. C'est réaliste. Même Caroline, il joue 5 matchs, puis 3 contre des équipes pour un play-off. La même chose avec Columbus. 5 matchs, 3 contre des équipes pour un play-off. Fait que si Canadien... d'aller chercher dans les 4 derniers matchs contre des équipes qui peuvent gagner la Coupe Stanley. Là. Les 4 équipes que tu affrontes les prochaines peuvent tous gagner la Coupe Stanley, puis personne ne tombera en bas de sa chaise. Fait que c'est de ces 4 équipes-là, si tu avais la bonne position, là, mettons qu'ils gagnent hier la régulière, là, il y a une chance parce qu'ils peuvent gagner 2 des 4 puis passer. Parce qu'il y aurait 4 points qu'ils auraient séparés des autres, puis Columbus. Columbus, dans les 5 matchs, tu aurais forcé Columbus à eux autres gagner 4 sur 5. Peut-être même 5 sur 5. Fait que c'est là la grande... Aujourd'hui, tu viens de réaliser que ce match-là, là, c'était le gros match à gagner dans cette série. Ah oui, non, ça va être quelque chose d'ici la fin. Bon, allons-y dans ce match-là, les gars. Premièrement, écoutez-moi bien, là, je ne lance pas la pierre à Carey Price, sauf que ça fait quelques émissions que je raconte à Luc. Carey n'a pas besoin d'avoir un shot. Je le savais qu'il était dans sa game. Je le savais qu'il était pas dans sa game, qu'il était... Il fallait prendre un tir incroyable pour le battre. Il était sharp, il était ses orteils. Hier, la game a commencé, il n'y avait pas un shot pendant 12 minutes, puis je le savais qu'il était pas là. C'était pas le même Carey Price. C'était pas... Voir Carey Price se déplacer de droite à gauche à la Ken Dryden avec le patin planté dans la glace pour faire un arrêt du gant, c'est pas Carey Price. Price, il arrive en papillon. Tu comprends-tu? Les contrôles de rondelles, tout. Je voyais que c'était pas le même. Je sais pas si tu as vu la même chose, là, parce que quand je t'ai dit on voyait qu'il l'avait avant même un shot, tu me disais oui. Oui. Non, t'as raison. Fait qu'on commence avec ça. Ouais. C'est pas lui qui ferait cette erreur-là sur Riley Nash de laisser tomber une rondelle sur un breakaway comme ça. Son déplacement sur l'échappée pour le 5e but. Normalement, Price est arrivé sur un papillon square parfait. Là, il est arrivé, les pattes t'ont embarqué une par-dessus l'autre, ça avait pas de sens. Même le tourniquet, le wrap-around qu'il y a eu sur lui, là, qu'on a pris Weber en début de match, puis que la rondelle a touché tout sauf dans le filet. C'est pas Carey Price, ça. C'est pas le Carey Price des derniers jours qu'on a vu. Fait qu'on commence avec ça. D'accord, pas d'accord? Bien, je suis d'accord en partie. Tu sais, quand tu mentionnes certains de ces filets-là, de ces buts-là, c'est tard dans la rencontre. Puis lui aussi, lui, il change pas. Tu sais, il peut pas faire une courte présence de 20 secondes puis sortir. Parce que des fois, dans un match, quand la frustration monte, puis tu le vois que ça glisse, puis tu le vois que tu es en train de le perdre, comme joueur, tu peux te cacher un peu plus. Tu rentres, t'embarques sur la glace, tu fais 20 secondes dans le tapis, tu débarques. Puis dans ta tête, là, c'est un combat, essayer de calmer cette frustration-là. D'un filet, t'es pris là, puis quand le jeu s'en vient vers toi, il faut que tu sois là. Fait que c'est plus difficile pour un gardien. Il va avoir hâte d'avoir une shot, quelque chose, ouais, pour le mettre dedans. De sentir impliqué, de sentir rentrer. Mais tu sais, quand tu regardes, et puis moi je l'ai aimé sur le but de Savard, le premier but, il a quand même été, c'est une passe pour un lancer sur réception, il était capable de couvrir ça rapidement, il est agressif, à pas une partie de la mi-temps. C'est une tabarouette de shot, puis tu sais, il a comme tout de fait, ah gars, c'est pas grave. Tu sais, il avait pas l'air frustré. Il a gardé sa mètre, puis c'est la parfaite shot pour t'exprimer ce que j'ai vécu ou ce que j'ai vu en voyant Price. Price, normalement, il aurait glissé, puis il aurait windé ça, mais il aurait été grandé quand il aurait fait son wind-up pour la mitaine. Souviens-toi de la séquence, là. Il est vraiment sur le genou, mais par en arrière pour essayer de la winder. Price n'est jamais sur les talons. Jamais. Il est sur cette shot, puis... Écoute, il était loin là, de son filet. Là. Ouais. Carey, quand il se sent bien, il n'a pas besoin d'over-challenger comme ça. Là. Il sait que les gars, tout ce qu'il voit, c'est lui dans le net. Là. Il n'a pas besoin d'être 4 pieds avant son demi-cercle. Non, c'est... Puis tu le vois, là, ouais. Regarde là cette séquence-là. Là, quand il se déplace, il est vraiment le bois par en arrière pour winder. Moi, encore là, c'est zéro de sa faute. Je vais juste te dire que c'était pas le même Carey Price. Je suis d'accord, mais le Canadien l'a mis dans une situation où peut-être que lui pensait que d'être le Carey Price, c'était pas assez. T'sais, c'est une situation un peu, en mode panique, mais tu donnes un 5 contre 2, que t'as pas ça dans une pratique, une pause comme ça, parfaite pour un lancer. Le gars, il a le temps de se tourner, se placer. Il aurait pu sortir son tee, son gant, la placer dessus avant de frapper. Puis c'était la deuxième pause qu'il avait dans la zone. Ben oui, fait que là, Carey Price, c'est comme si, ben j'ai pas le choix, moi je me lance. Il y avait ses deux défenseurs de chacun, de chaque côté. Il dit, moi je me lance pour le lancer, puis vous autres, occupez-vous du reste. Puis tu vois, il a touché une partie de la mythe. Normal, veux-tu embarquer là-dedans? Ben moi, tout ce que je vais dire, je vais regarder de l'autre côté, puis Bobrovski donne une zézette sur le but de Petrie, pas d'affaire donner ce but-là. Puis, tu sais, il a quand même été solide après. Là. Peut-être que le gros problème, c'est que en partant le match, moi, je trouvais que les Canadiens, pendant la moitié du match, ils ont dominé au chapitre des tirs au but, ils étaient dans le game, ils patinaient, puis c'était leur game, jusqu'à temps qu'ils
Tu as vu que les Jackets ont pris le dessus, ils ont été plus imposants physiquement. Encore une fois, si tu regardes la game une autre fois puis tu oublies les statistiques des Bantam Summary. Tu vois que la quatrième ligne, ils ont fait tout le dommage. Ils sont dans le power, ils sont au haut dans la zone, ils sont en face de nos défenseurs, le 71, le 17, puis Nash, hier, le Riley Nash, cette ligne-là, d'après moi, ça a été la ligne a fait plus de dommages, les défenseurs n'étaient pas gardés levés à la tête, il y avait un coup d'épaule. Moi, j'ai trouvé que la game a tourné. Là, oui, le gardien de but, il y a une instance, mais tu sais, l'autre bord... Non, mais encore là, normalement, tu sais, je lance pas la pierre à Price. C'est juste qu'on était... Dans le dernier match, on disait, ce gars-là, tu le regardes, puis il pue la confiance. Le match n'est pas commencé, puis on mène des fois 2-0. C'est pas ça hier, mais tu fais bien de le mentionner. Là. Les Canadiens là, ont dominé 10-12 minutes, et après ça, il y a eu des ajustements de l'autre côté, puis on a bulldozé. C'est le mot que je vais utiliser aujourd'hui. On a bulldozé le Canadien de Montréal. Puis on n'a pas eu de réplique. J'ai pas vu. Moi, tu sais, regarde, moi, je regarde ça comme un coach. J'ai dit, Bruno, c'est un joueur, puis je dis, moi, je regarde ça comme un coach. Il me semble que quand ça a commencé à virer de bord un peu, là, c'est vrai qu'il y a des temps d'arrêt à cause des commerciaux, tout. Moi, je pense qu'à un moment donné, ça aurait été le temps d'un petit time-out. J'ai dit, wow, on est en train d'échapper, les boys. Là. C'est bon ce que tu dis, Normand, parce que je suis convaincu que la pause commerciale des 10 minutes dans la période, ça commence à partir de là du côté des Blue Jackets. Fait que je serais pas surpris, on n'était pas sur place, mais je serais pas surpris que Tortorella ait levé le ton à partir de ce moment-là. Mais tu l'as vu en réaction, je regardais encore les highlights ce matin, tu l'as vu en réaction, quand il score le but de Petrie, il wake up, il crie sur le banc, wake up, tu le vois, ils prennent souvent Tortorella, il assiste des caméras, ils vont prendre sa réaction après un but contre, là, c'est assez évident qu'il est émotif. Mais ça pour dire, encore là, je ne vais pas blâmer Goaler. Le Goaler, dans 7 points qu'ils ont gagné dans 8 possibilités de 8 dans les dernières parties, c'est en grande partie grâce à lui. Exact. Puis, hier, tu regardes, en début de match, le Canadien, moi, je pense qu'il était bien préparé. Ils ont sorti fort. Mais c'est l'identité de ton équipe contre l'identité de l'autre équipe. Moi, je regarde leur équipe, leur composition, les 4 trios. Et ça, 4, là, ils ont non seulement des gros gars, mais des gros gars qui scorent des buts. Foligno, il y a 17, 16 ou 17 buts. C'est Dubinsky. C'est tous des gars qui sont physiques, mais ils sont bons. T'sais, nous autres, on amène Nicolas Deslauriers qui a joué un match des 20 derniers, 25 derniers, je ne sais pas exact. À un mois. Tu peux pas demander à ce gars-là de faire la différence. Il a joué quoi, 16 minutes? Il essaye de son mieux, Nick. C'est pas un scoreur. C'est pas un gars. Il y a un gars qui va amener un petit peu de physique. Il va amener un petit peu de rythme. Mais c'est pas un gars qui va te marquer des buts. Eux autres, la 4, là, était sa ligne. Était constamment sur la glace. Puis il l'a joué toute la game, sa 4. Puis ça, quand t'arrives à la troisième période, puis tout le monde a joué égal. Regarde le temps de glace des 4 trios, là. Tout le monde joue à peu près égal à part du power play. Quand t'arrives en troisième, t'en as encore du jeu. Nous autres, cette valeur, ils n'avaient plus. Ouais, et je vais prendre la balle au bon sur ce que tu racontes. Tu parles de la quatrième ligne. Hier, on a eu la chance d'avoir Alex Tanguay. Il disait la dernière game contre les Islanders, c'est la 4 qui a détruit les Islanders de New York, qui ont fait le dommage. Foligno, entre autres, Dubinsky, qui ne serait pas sa 4 si on n'avait pas acquis Duchesne de Penzingle, etc. Fait que Tanguay nous raconte ça hier. Et là, le match commence. Le Canadien, dans son identité, puis on le savait hier, on en a parlé avant la game. Le Canadien va essayer de les patiner, puis les Blue Jackets vont essayer de les bousculer. Moi, ce que je veux savoir, Bruno, puis Normand, tu pourras renchérir par la suite. Le Canadien, moi, j'ai écrit « Arrêtez de patiner ». À un moment donné, il y a une grosse erreur de Kotkaniemi. Les Blue Jackets ont semblé augmenter la pression à partir de ce moment-là. Est-ce que c'est le Canadien qui a arrêté de patiner? Où les Blue Jackets ont commencé à patiner dans les lignes de patin des Canadiens, les amener le long des rampes et les bousculer parce que les Canadiens, après ça, n'ont plus jamais été dans le milieu. Écoute, je faisais un commentaire pendant la game. Tiens-tu, hier, je pense que je t'ai dit, tous les buts du Canadien se ressemblent de ce temps-là. Il y a un gars qui rentre en retrait, puis il se met high slot, puis il y a un gars qui s'en va dans le fond, puis il ramène la rondelle. On a le but de Kulak avec Shoyer qui fait ça. Puis dès le début du match, le premier trio, c'est Dano qui est là. Dano rentre, Gallagher, il le suivait, puis il a décidé de breaker, puis il a reculé pour être high slot. Puis là, j'ai arrêté, puis j'ai reculé. J'ai dit, regarde, il le fait encore. Ils font tout. Après ça, ça a été terminé, on ne les a plus jamais revus. Ben, c'est-tu le Canadien qui a arrêté de patiner ou c'est les Jackets qui les ont amenés dans... Ben, de ce que moi j'ai vu, puis c'est ça que quand je prenais mes... j'aime bien ça, je prends des notes là, pour me rappeler, puis essayer de trouver le moment où ça peut pencher d'un bord puis de l'autre. Puis comme tu mentionnais, il y a eu encore des chances comme ça. Là, on appelle ça un delay. Là. Le joueur rentre, il arrête, puis attend la deuxième vague. Puis le Canadien le faisait bien parce qu'il traversait la zone 1 avec beaucoup de vitesse. Ça fait reculer les Blue Jackets, puis il y avait de l'espace dans le haut de la zone. Puis là, il est arrivé deux erreurs. Là. Une erreur de Kulak qui a comme gelé dans le coin, puis une erreur de Kotkaniemi qui a donné quelques présences pour Columbus. Mais dans les 10 premières minutes, là, je comptais le nombre de sorties de zone qui étaient faciles pour le Canadien. Où il allait récupérer la rondelle, puis une fois que la rondelle est récupérée, elle s'en va vers le nord, puis elle ne fait plus de est, ouest ou sud.
c'est juste vers le nord, puis elle sort du territoire, puis là, t'es dans les mains du Canadien. Puis après un moment, là, hey, puis Columbus envoyait deux joueurs. Mais les deux gars arrivaient une seconde en retard, puis là, t'as juste trois bleus qui défendent la zone neutre. Fait que le Canadien, il slashait à travers la zone neutre, beaucoup de vitesse. Puis là, il rentrait en zone, puis là, il pouvait ralentir, parce que le défenseur, lui, était en mode panique, reculer, prendre ce rush-là, ralentir, il y a de l'espace, etc. Ce que Columbus a fait, disait, une minute, on va choisir nos moments. Fait que là, il n'y avait plus de la pression sur les défenseurs du Canadien, mais il fallait passer à travers quatre ou cinq bleus en zone neutre. Là, il y a eu un moment où c'était ça. On va arrêter de vous courir après, là. Il faut que vous passiez par ici, de toute façon. On va vous attendre. Puis là, c'était une mise en échec qui finissait là. Là, Jones-Werenski récupérait la rondelle. Puis un peu comme dans le principe du football, là. Tu sais, des fois, c'est tu marques pas des points à chaque fois, mais tu commences à mettre de la pression sur l'autre équipe. Fait que là, le Canadien sortait, mais au lieu de se rendre dans le fond, puis eux autres faire des changements contrôlés, là, c'était Columbus qui récupérait la ligne bleue. Là, ils réattaquaient. Eux autres, leurs changements étaient contrôlés. Fait que là, quand le Canadien sortait de leur zone, ils dompaient pour changer. Columbus reprenait la rondelle. Puis là, tranquillement, tu voyais la bascule s'aligner sur le Canadien. Une là, erreur mentale. C'est eux qui avaient les changements contrôlés. C'est eux qui mettaient la pression dans le mauvais fond. Changement, erreur mentale. Là, ça commençait à embarquer. Puis ça, c'est pour finir la première. C'était encore. Tu sais, c'était 7-0 les lancers pour le Canadien. C'était 9-8 après la première. Puis là, tu le voyais. Là, ça commençait à faire ça. Puis en début de deuxième, c'est une erreur mentale. C'est 1-1. Puis là, tu as un autre match. Normalement, c'est où ça a changé? Ben moi, comme je te dis, c'est en deuxième, je pense en deuxième période, puis je regarde la passe dans le centre de la glace de Mété qui essaie de pogner Kotkaniemi qui a la tête entre les deux jambes. La passe est coupée là parce que la zone centrale est bloquée. Et là, le puck revient 2-1 dans ta zone. À partir du moment donné où ils ont scoré leur premier but, ils étaient plus à l'aise que Columbus. Parce qu'ils n'ont jamais été à l'aise cette année en jouant du hockey de rattrapage. Regarde le stats, là, puis même j'ai parlé avec Jody Shelley qui fait les games pour eux autres à Columbus. Puis quand ils étaient par en arrière, il y avait de la misère à jouer au hockey. Ils sont bien à l'aise quand ils ont une avance parce qu'ils savent jouer ce game-là. C'est un peu un trap game qui attend. Puis dans le zone, puis quand tu fais une erreur, bang, ils en profitent. Le premier but qu'ils ont scoré, le but de Savard, écoute, ils sont 5-2. Ça, c'est un mauvais changement. Ils sont en avant, les gars. Ça, c'est pas de la faute à Columbus, là. Ça, c'est carrément de la faute à Montréal. C'est impensable que trois gars s'en vont au banc en même temps puis qu'ils laissent les deux défenseurs tout seuls jouer. Celle-là, je ne l'ai pas compris. Le but de Savard, 5-2, il n'y a pas grand gars-là qui l'aurait arrêté celle-là, là, parce qu'il aurait pu avoir même une autre passe, puis il y avait encore du temps pour prendre une shot au net. Et le gros de l'affaire, c'est sûr, tu sais, tu peux regarder toute la stratégie que tu veux, mais tant aussi longtemps que les Canadiens patinent plus vite, puis qu'ils sont encore en énergie, ils vont réussir à battre ton système de jeu, parce qu'à 1-1, ils sont capables de battre les défenseurs adverses. Mais la minute que ces gars-là, qui patinaient en première, qui a modère en deuxième, puis qu'en troisième, il ne patine plus. N'importe lequel des systèmes de jeu, ça aurait pu marcher. Il n'y a plus rien qui marchait parce qu'à 1-1, il ne gagnait pas les batailles, puis à 1-1, il voulait plus la rondelle. Là, c'est Columbus qui imposait le rythme. Le Canadien l'a imposé en début, puis c'est ça que je reproche, c'est qu'on n'a pas de, comment je dirais bien, un autre game changer. Ils ont une façon de jouer. Ça s'arrête à cette façon-là. Et il faut que ça soit axé sur la vitesse. La minute qu'ils ont moins d'énergie, la minute qu'ils sont moins vite, mais des équipes qui sont aussi vite, mais qui sont plus grosses, comme tu as vu dans le cas de Columbus, puis dans le 4-7, c'est ça que tu vas voir qui va gagner en bout de ligne. Souvent, ces équipes qui vont être capables de jouer ces deux styles de game-là. Moi, je reproche un petit peu ça aux Canadiens. On a beaucoup de joueurs capables de jouer le speed game, mais quand on arrive, tu sais, dans le temps des playoffs où il y a moins de punitions, où il y a moins de. Ça joue plus des épaules, comme tu as vu hier en troisième période. Tu as juste pu ça à la glace. Puis je le sais que tu peux amener des modifications. Mais si tu parles, quand Bruno, il dit qu'il y a eu des modifications du côté de Columbus, ils sont ajustés. C'est bien sûr, eux autres, ils savaient que le Canadien était vite. Ils savaient avant le game. Ouais. On va regarder, mais on va s'ajuster. Tu arrives en deuxième moitié de game, tu as vu les ajustements. Regarde, ils ne passeraient plus dans le centre. Puis là, ils ne tireraient plus de l'arrière. Ils étaient à égalité avec le Canadien. Fait qu'eux autres, ils ont été aussi en mettant de l'échec avant, puis en forçant les défenseurs à jouer la face dans vite, ça n'a pas aidé. Là. Mété a eu une soirée difficile parce qu'ils venaient vite, les attaquants de l'autre côté, puis les body checks arrivent vite. C'est pas facile de jouer la face dans vite constamment quand t'as pas le temps de faire ta pause. La question qu'on pose aux gens, Normand, c'est compléter la phrase de Canadien. On dit pourquoi le Canadien a perdu hier. Si tu résumes ça en une phrase, c'est-tu parce qu'ils n'ont pas su s'ajuster? Non, moi je pense qu'ils n'ont pas la composition encore de l'équipe que ça prend pour gagner contre des équipes comme Columbus. Donc ce que tu dis, là, comme les gens, on leur demande de répondre, donc ce que tu dis simplement, c'est le Canadien n'était pas assez fort, point final, pour jouer contre Columbus. Moi, je pense qu'ils n'ont pas l'équipe, ils ne sont pas rendus à point de cette équipe-là. Ils n'ont pas l'équipe pour gagner en série. Ils ont une belle équipe de saison régulière, ils sont rapides, mais moi je trouve qu'on n'a pas de deuxième option, on n'a pas de plan B. Tu sais, c'est bien beau. C'est bien beau de le faire.
ça va dans la philosophie de ton équipe. Puis tu sais, je te parle depuis le début de l'année. Tu me demandes Kotkaniemi puis Kachuk. Je regarde hier le gros Kachuk là. Hey, je le savais, je le savais, mon Normand. Je savais, mon Normand. Il avait même pas sur la glace hier, lui. Lui, en troisième période, il aurait continué de jouer, lui. Lui aurait été le même gars. Kotkaniemi, tu le voyais plus. Les petits là, qu'on avait hier, tu les voyais plus. En troisième période, tu les voyais plus. Il voulait plus la rondelle. Là. Oublie ça. Là. On n'était plus capable de suivre. Nomme-les toute la gang là, qui était là. Je m'excuse, là, mais ils n'étaient plus capables. Si on fait un 4-7, ça joue demain soir. Là, je mets toute ma maison, même sur le bungalow, puis les maisons revenues que j'ai, je mets toutes sur Columbus. Parce qu'on n'est pas capable de jouer ce game-là. Un coup qu'on a passé à travers la première moitié de la game, si on gagne pas la game, en première période, en score est 3, après ça, Price peut sortir du trouble, on est dans le trouble. Il faut que le Canadien score plus de buts, parce qu'ils ne sont pas capables de jouer des games de même contre des équipes. Il faut le dire, regarde le line-up, c'est quatre lignes. Tu vois pas qu'on est meilleur aujourd'hui qu'eux autres. On peut s'en venir à ça. On n'est pas là. Je pense pas. Personnellement, Moi, je veux juste dire que si j'avais la shape à Kachuk, moi aussi, je serais plus imposant que si j'avais la shape à Kotkaniemi. Je vais juste dire ça. 12 shots au net hier. Moi, ouais, mais son club fait pas plus les séries. Mais pas grave, mais c'est une game de Ligue nationale hier. C'est pas une game de Ligue américaine. Une game de Ligue nationale, tu l'as 18 ans, 12 shots au net. Il y en a pas beaucoup qui font ça. Pas beaucoup. Il y a beaucoup de réactions, Martin, Bruno et Normand, sur nos pages. Tu sais, c'est sûr que, comme Normand vient de le faire, la profondeur, tout ça, les acquisitions que les Blue Jackets ont fait, on reçoit un commentaire, tu sais, que Bergevin a décidé de ne pas bouger à la date limite des transactions. Les Blue Jackets ont bougé. Ça fait en sorte que la hiérarchie, là, la structure du club fait en sorte que Foligno, Dubinsky joue sur le quatrième trio. Fait que c'est sûr que la plupart des... Leurs deux premiers centres, là, avant l'arrivée de Dubois, souvenez-vous, Dubois l'an passé, c'était sa première année. Boone Jenner. C'était Waringberg puis Boone Jenner. Les deux jouaient ça à trois. Hier. Dubois, je ne même pas sur le powerplay. C'était leurs deux premiers centres avant. Fait que c'est sûr que mais ces deux organisations ont des mentalités différentes. C'est ça. On se reparlera dans 2, 3, 4 ans. On va voir, tu sais, puis ils vont avoir le temps peut-être de se revirer de côté. Mais Columbus ont été all-in. C'est excitant. Regardez présentement. Mm-hmm. Mais tu t'arrêtes, puis ils vont avoir des décisions à prendre. Ouais. Mais ces deux organisations ont des mentalités complètement différentes. Puis c'est juste que Marc Bergevin, il y a un plan. Puis là, c'est un bonus, les résultats qu'il y a cette année, puis le fait que tu es dans une course aux séries. Mais Columbus, là, si Bobrovsky joue toute la saison comme il a joué dans la dernière semaine, comme il devrait être candidat au Vezina, on parle d'eux pour se battre pour la première position dans la division ben et oui, non pour ben une place oui, en série. Ben oui, c'est sûr. Puis c'est si tu complètes la phrase, toi, pourquoi le Canadien a perdu hier? Bien, il n'y avait pas de place à l'erreur pour le Canadien dans ce genre de match-là, mm-hmm. Puis il y a eu des erreurs trop mentales qui ont fait de la différence. OK. Il y a eu bien des affaires dans ce match-là. Bon, on est à la deuxième période, savoir créer l'égalité 1-1. Canadien prend l'avantage numérique, comme contre la Floride, on n'en a pas parlé parce qu'on a gagné 6-2 contre la Floride, ou 6-1, 6-2. Personne n'a parlé de l'avantage numérique qui a été nul contre la Floride. On n'était même pas capable de rentrer en territoire adverse. Fait que là, Canadien prend un avantage numérique, pas capable de rentrer dans le territoire de Columbus. Bang, Andrew Shaw prend une pénalité. Bravo, on va jouer à 4 contre 4. On est meilleur dans ce temps-là. Petrie réussit à rentrer dans le territoire adverse. Là, maintenant, Canadien mène 2-1. Encore là, Bruno, Normand, c'est 2-1 pour Canadien de Montréal. Il joue pas bien. Mais le coach peut faire quelque chose. Tu sais, il y a quelque chose à faire. C'est pas vrai que tu te fais piler dans la face, puis que tu mènes 2-1, puis que tu vas abandonner. C'est toi, Bruno, qui me faisais remarquer. Il y a eu des ajustements du côté de Columbus. On a fait des changements et dans la composition des trios en interchangeant Duchesne et Dubois et dans la stratégie. Bien, je vais y aller brièvement, puis après ça, je laisserai Normand, l'entraîneur en lui, parler un peu de ça. Mais au début du match, Tortorella n'avait aucun problème d'envoyer Dubois, Panarin et Atkinson contre Dano. Ouais. Puis tu sais que Claude Julien, c'est un peu ce qu'il veut. Il n'y avait aucun problème d'envoyer contre Dano parce qu'en même temps, c'est le trio qui va bien offensivement chez les Canadiens. Il se dit, des fois, tu dois y aller force contre force. Puis ça n'a pas été long. Après, un bon jeu de Dano défensivement, son trio pris dans leur territoire, Gallagher, Tatar, Dano qui font ce qu'ils font souvent dans les débuts de match. Ça n'a pas été long que change les deux centres. Un change Duchesne et Dubois. Donc, ça devient Duchesne, Panarin et Atkinson, un trio. Et là, il s'est mis à se sauver de Dano. Et souvent, quand Dano entre au banc, Panarin embarquait sur la glace. Puis là, il s'est mis à... Ça, c'est un avantage quand tu joues à la maison. Il s'est mis à vraiment bien l'utiliser. Puis il a réussi à créer des scénarios, des situations où son trio prend de la confiance, s'implique offensivement. C'est un peu plus facile traverser en zone neutre. T'as pas les gars qui sont serrés sur toi. T'as un peu plus d'espace. Fait que je pense qu'ils ont profité de ce changement-là. Et deux affaires à ajouter là-dessus avant de passer la puck à Normand. Son fameux trio qui est supposé jouer contre les meilleurs
se fait dématcher, si tu me permets l'expression, se ramasse moins 4, Gallagher moins 4 hier. Puis quand il envoie Dano, puis que l'autre côté décide d'envoyer sa quatrième ligne contre Dano, il sort ses défenseurs, il a sorti Weber puis Mété, il a embarqué sa troisième paire en Fallin et Ben en disant « Parfait, je vais matcher, mais matcher juste au niveau des défenseurs. » C'est-tu comme ça que Julien a pensé? C'est-tu fait de faire l'école, Normand? Mais moi, écoute, faut être honnête, je vais revenir à dire ce que j'avais tantôt. Là. Regarde ce que le gars il a dans les mains, puis regarde ce que l'autre il a dans les mains. C'est fun quand t'as un bon jeu de cartes dans les mains pour gagner aux cartes. L'autre, il faut qu'il bluffe parce qu'il n'a pas les mêmes cartes. Écoute, moi, j'ai absolument, non, mais attends une seconde, absolument là. Rien à dire contre le coaching de Claude Julien dans la game des match-ups parce que, un, il n'a pas le match-up, puis deux, il y a un vrai centre défensif qui peut faire la job. Le restant, c'est une équipe qu'il faut qu'il marque des buts. C'est évident que ça va passer par tes meilleurs joueurs tout le temps. L'autre côté, il a le luxe de mettre son meilleur joueur sur deux trios, ça change absolument à rien. Il va avoir des chances d'avoir la rondelle sur les deux trios. Où moi, je trouve que ça s'est joué, si tu regardes le but de Panarin, quand il est avec Duchesne, ben Duchesne, il bat, Mété à un contre un sur le bord de la bande. Tout le monde joue sa position ou à peu près. Weber, il oublie de couper la passe pour Panarin de l'autre côté, puis une passe à la palette de Duchesne, puis qui a battu un contre un ton défenseur. Tu avais quand même un bon match-up, tu étais des deux meilleurs défenseurs contre deux des bons attaquants de l'autre côté sur la glace. Je pense pas que c'est un mauvais match-up, puis Dano, il est là aussi. Mais la POC a réussi quand même à se rendre à Panarin, un cross-ice pass qui bat le goaler, puis qui bat les deux défenseurs. Fait. Attends, pas juste... C'est ton match-up qui est pas correct? Non. Parce que tes gars suivent pas. Ça, c'est le but de Panarin qui a fait 2-2 ou 3-2, celle-là. C'est 3-2. C'est lui qui faisait mal. Ouais. Puis tu as raison de dire que le match-up était sur la glace qu'on voulait avoir. Puis avant le show, Bruno puis moi, Bruno me montrait la séquence. On mimait la séquence dans le studio. Qu'est-ce que Mété a fait? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce que Weber a fait ou pas fait? Mais on peut-tu donner le crédit aussi à Duchesne? C'est une back-end? Mais cross-ice, coast-to-coast. Écoute, c'est pas tout le monde qui l'aurait ramené sur le tape sec de même. Normand l'a vu souvent. Normand, tu l'as vu. C'est un des meilleurs dans la ligue pour faire ce move, ce geste-là de spinner sur un joueur puis se ramasser en arrière de lui en une fraction de seconde. Raconte-lui, là, parce que... Attends, Normand. Parce que Bruno va te relancer à rondelle parce que toi, tu as analysé beaucoup les matchs de Duchesne cette année. Mais raconte-moi là, ce que tu m'expliquais de Duchesne, ce qu'il fait là, pour que les gens comprennent que oui, Mété, il avait sa couverture, il y a une petite perte d'équilibre, mais à quel point Duchesne fait les choses? Bien, Duchesne, avec son court bâton, l'une de ses forces, c'est que quand il va tourner rapidement, il fait ça dans le coin de la zone, il fait ça un peu partout sur la patinoire, quand il spin sur un défenseur, quand il sent que le défenseur a sa main dans le dos, là, puis il décide qu'il fait un 180, il fait pas juste tourner, puis après ça, essayer de contourner le défenseur, ce qui donne une chance au défenseur d'avoir la ligne à l'intérieur et lui la ligne à l'extérieur. Donc, ça reste une course au filet. Il finit son virage dans le dos du défenseur. Donc, ça donne une meilleure position pour attaquer le filet. Et combien de fois, Normand, tu l'as vu dans les coins de patinoire, le défenseur s'en vient, il tourne rapidement, mais il va pas loin. Là. Il se tasse de 5-6 pouces, mais c'est qu'il te laisse passer. Et il se glisse derrière toi et souvent, il va utiliser sa main libre juste pour te pousser sur la hanche, juste pour venir se placer. Donc, quand toi, tu veux finir ton pivot, tu vois son numéro, tu te retrouves derrière lui. C'est ce qui est arrivé à Mété. Une fois que Duchesne l'avait battu, il savait qu'il y a une seconde pour faire son jeu. Il a élargi ses jambes comme il fait souvent, là, les tracts de chemin de fer. Puis là, il a aligné sa passe à Panarin de l'autre côté. Oui, la seule affaire comme défenseur, Bruno, moi, quand j'ai vu, j'ai regardé Weber, il est d'impact de son goaler. Je ne sais pas s'il est du bon côté, s'il y avait Panarin à vue, mais il me semble que cette option-là, là, tu le sais que si l'autre il se fait battre, il y a une passe qui s'en vient pour Panarin, c'est le one-timer, c'est certain. On n'avait ni Dano ni Weber qui étaient là pour couper ce passe-là. Ça, j'étais un petit peu déçu. Mais pour un contre un, dans le coin de la patinoire, Duchesne, il va en battre plus qu'un. Là. Il a battu Mété, là, mais il va en battre d'autres. Il est excessivement rapide. Puis comme tu l'as dit, là, tu l'as bien décrit, tu sais, des spins de 300, de 180, il ramène la rondelle en avant. Je l'ai vu, je te rappelle, une fois, il était en arrière du net, il a passé le puck entre ses pads, entre ses patins, puis il a fait une passe par en arrière, en avant du net, sa palette à Kachuk. C'était de toute beauté. J'ai jamais vu des gars essayer des affaires comme il fait sur la glace des fois. Puis il y a de l'air d'un gars, des fois, qui essaie trop de faire de finesse. Mais quand ça marche, puis comme ça a été le cas hier, c'est spectaculaire à voir. Mais tout ça pour dire que je regarde que Claude Julien avait dans les mains hier. Ce goal-là, le but gagnant, le match-up, il était là. Puis ça a quand même pas marché. Puis c'est pas à cause de la structure était pas bonne. Il y a deux gars qui se sont fait battre.
en commençant par Mété à un contre un. Parce que la game, t'as des corticras comme tu voudras. C'est 5 contre 5. S'il y en a un qui se fait battre à un contre un puis il perd sa couverture, les quatre autres là, sont obligés de s'ajuster rapide. Tu l'as dit, après une fraction de seconde, envoyer le puck de l'est à l'ouest puis sa palette de Panarin pour le troisième goal. Moi, ce goal-là, je regarde ça comme un but. Wow! On avait le match-up, on avait tout. On s'est fait battre. C'est tout. C'est pour tu sais, Bruno, puis moi, on a regardé la séquence au moins 6 fois tantôt. Là. Peut-être que, puis c'est difficile à voir pour nous autres sur la reprise, mais peut-être que Weber et Dano avaient des yeux pour Atkinson qui était à l'entrée du but. Ah, que Weber en est. Tu en as deux, toi, là. Tu pourrais en avoir un pour Atkinson, puis l'autre pour la passe à Panarin, non? Ben, logiquement, tu parles-tu, oui. Tu parles-tu de mes deux yeux ou tu parles de deux joueurs? Là? Ben non, mais deux joueurs, c'est le même joueur. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui fait pas sa job comme vous, là. C'est ça. Ouais. Mais quand tu vois, comme Dano, tu sais, tout le monde, c'est homme pour homme. Dano a Atkinson, puis Weber a Panarin. C'est clair, quand Mété sur Duchesne. Mais la seconde que le spin se fait et que tu sens que Mété est battu, Duchesne est gaucher, puis là, il descend à droite. Fait qu'il peut revenir dans le centre. Fait que là, tu vois Dano lâcher Atkinson et ça devient un 2 contre 1 dans tête à Dano. Lui, il se dit, moi, il faut que je surveille Duchesne parce que Mété est battu. Mon gars est là. Puis là, dans tête à Weber, ça devient Atkinson se retrouve tout seul de ce côté-là du filet et d'un côté. Et de l'autre côté, Panarin est tout seul. Tu le vois regarder Panarin. Il sait qu'il est là, mais lui n'a pas le choix de jouer ça comme un 2 contre 1. Fait que le fait qu'il y a un breakdown, quand on appelle, quand un joueur est battu dans le territoire défensif, ouais. Là, ça devient difficile et c'est là que ça crée des ouvertures. Sauf que comme défenseur, lequel des choix tu décides, c'est comme quand ça vient 2 contre 1, je coupe ça à passe ou j'empêche de shotter. Trois quarts du temps, tu vas dire, me donner un shot à mon goaler parce qu'il n'est pas obligé de se déplacer latéral à 200 000 à l'heure. S'il reste du côté du puck, c'est, mettons, Duchesne, il shoot, ou Atkinson, sont tous les deux du côté rapproché. Fait que là, tu lui donnes cette option-là parce que la pire des affaires qui va arriver, c'est qu'il donne le puck là au bord, puis là, le puck s'en va dans le net parce que jamais Price va être capable de se déplacer aussi vite que le puck, puis le one-timer. Fait que tu me dis, au pire, t'es un défenseur d'expérience, dis, regarde, c'est comme un 2 contre 1, il faut que je coupe plus la passe que je coupe la shot. Donne-lui la shot du côté rapproché. Price, le meilleur goaler dans la ligue, on va lui donner au moins cette qualité-là, là, sur le côté rapproché, mettons que lui, tu vas lui donner plus la chance de faire l'arrêt que sur le one-timer, comme ça t'est arrivé. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'est peut-être pas ça se passe vite, là, tu sais, la fraction de seconde, bang, le puck est rendu au bord. Il faut que tu réagisses rapidement. J'ai juste trouvé là-dessus, la couverture était peut-être pas adéquate. Puis pour moi, t'avais des bons gars sur la glace. C'est pas une question des mauvais match-ups. Veux-tu, du Bruno, je vais te montrer comment je connais mes collaborateurs. Je vais faire monter l'estime à Normand. Ah oui, je pourrais tout de suite faire Kotkaniemi ou Kachuk, mais j'irai pas là, c'est facile. Je te l'ai dit, moi, Martin, je change pour regarde, tu vois. Tu m'as posé la question. Je t'ai dit une chose au début de l'année, on va regarder ça à la fin de l'année. On regardera ça à la fin de l'année, tu nous diras à la fin de l'année lequel des deux que tu prendrais ou si tu étais à recommencer. Moi, je regarde le Canadien, la composition de l'équipe, puis je te dis juste que pour l'avenir, j'aimerais mieux avoir un kit comme Kachuk. Pas parce que j'enlève rien, Kotkaniemi est super bon. Ça dépend si tu vas avoir un peu plus de super bon avec un peu plus de sandpaper. Moi, j'aimerais ça, un petit peu plus de sandpaper. Je trouve qu'on ne recommencera pas normal. Tu m'as dit la même affaire. Il va te redire, moi, je veux un centre. C'est beau qu'il soit plus tough et qu'il y a du grit. Je m'en fous. Tu ne savais pas que Domi était pour être bon au centre. Je m'en fous. Tu as déjà Dano. Tout à l'heure, tu vas avoir un problème au centre, peut-être. Lâche-moi le problème au centre. Ça fait 100 ans qu'on n'en a pas. Là. Ben non, mais on préparait-tu l'équipe, honnêtement, pour cette année de gagner la Coupe? Moi, je pense pas. Ils s'attendent. Ils n'étaient même pas supposés être là. En début d'année, on ne les voyait pas là. Pas grand monde, on les voyait là. C'est plus que qu'est-ce qu'ils sont supposés faire. Mais moi, je regarde vers l'avenir. Vers l'avenir, là, hier, c'était un match pour moi là, qui identifiait ce que ça prend pour gagner des séries d'après-saison. C'est hier, c'était une game de play-off. C'était une vraie game de play-off. On a vu hier que dans une game de play-off, quand la game a progressé, c'est par les hommes des enfants. On s'est fait séparer hier, d'après moi. C'est dans mon livre à moi. Peut-être pas tout le monde avait la même game. Moi, j'ai vu ça. On s'est fait en troisième période. On était plus là. Un 4-7. N'oublie pas, je gage pas mon bungalow canadien, c'est là. Oui, tu l'avais dit, hein, Bruno, que je le prendrais. Mais moi, c'est même pas de ça. Bruno, il me connaît. Il m'entend. Il me connaît. Puis ce que j'allais te dire, c'est, tu sais, sur le filet désert, là. Oui. Vous remarquez que c'est Drouin qui perd le puck, il y a deux pieds arrêtés, les fesses contre la bande. J'ai dit à Bruno, j'ai dit, je vais faire pogner l'air à Normand. Là, il m'en parle encore. Attends une seconde, les deux fesses à côté de la bande, il essaie de déjouer un gars, les patins arrêtés, perd la rondelle, il y a deux gars du Canadien qui partent après le gars pour pas qu'il se colle dans le filet désert, et Drouin n'a jamais bougé. Il est resté le cul à côté de sa bombe et il regardait ça. Bon, regarde encore une fois, puis regarde la réaction Weber.
Regarde la réaction Weber. Moi, j'ai regardé le matin 2-3 fois. Regarde la réaction Weber. Mm. Et c'est lui, Weber, qui vient de donner le puck. Oui, oui. Puis là, d'après moi, il n'est pas content qu'il n'ait même pas rien essayé. Pour... Ouais, ben, sur nos pages, les gens l'ont souligné aussi, les gars, mais tu sais, on je pense pas qu'on va s'acharner sur le droit, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, on ne s'acharnera pas. On fait juste dire qu'il faut bouger. On a rien à Ottawa, puis là, on est rendu avec tout loin à Montréal. Oh, là, c'est tough, ça. Ben, écoute, c'est deux underachievers, d'après moi. Là, ouais, au moins, c'est pas 7,5 millions. Là. Non, c'est ça. C'est ça. C'est quand même, lui, c'est quand même 4 ans encore qui reste. Puis ça, c'est pas l'autre GM qui l'a signé avant. Là. C'est celui qui est là. Là. Qui oh, l'a donné, ouais. Ce contrat-là. OK. OK. Hey, Norm, congé. Tu me donnes congé la semaine prochaine? Tu parles en vacances? Ben, si tu es en congé la semaine prochaine, on peut ben négocier. Non. Ben non. Okay. On va être là la semaine prochaine. L'autre semaine, je suis en congé. T'es fin, Norm. En même temps que les Canadiens. En même temps que les Sens. Bon, ben ça, c'est sûr. Nous autres, on est convaincus. On sait que ça fait longtemps qu'on ne va pas être meilleurs que les Sens. Le voyage est booké, toi. On a échangé nos meilleurs, mais nos jeunes, ils vont être bons. Non, plein d'optimisme. Ben, non. On espère que tu auras un propriétaire, Norm. Comment? On espère que tu vas finir par avoir un bon propriétaire. Ouais, salut, gars. Ben, salut, Norm. Comme si Normand faisait partie des sénateurs. Oui, on t'a méchant avec les jeunes. C'est ça, c'est le cœur des sénateurs. Moi, j'ai le pied dans les deux équipes. Là. C'est ça. Toi, ouais. Ben, t'es partout avec le Rocket aussi. Là, j'étais en train de montrer la séquence à Bruno Garde, Drouin, les fesses à la bande et puis arrêté par la rondelle. Hey, il bouge pas. Non, c'est à 5-2, à 3 minutes, il s'est dit, bon, je bouge pas. Ben, tu sais, moi, je donne le. Celle-là, je la glisse sous le tapis parce que son engagement dans les derniers matchs, puis même dans ce match-là au début, là, sa responsabilité pour le F3, ce qu'il fait en zone 9, il y a bien des affaires qu'il est en train de peaufiner et d'ajouter à son jeu. Ouais. C'est sûr que ça a un effet sur son jeu offensif. Et c'est ça qui est difficile. Mm-hmm. Tu sais, mettons, parce que c'est assez compliqué, mais demande à un défenseur qui est excellent à un contre un, on veut que tu sois un peu plus physique. Puis là, il faut qu'il finisse des mises en échec. Mais il va se faire battre un peu plus souvent un contre un parce qu'il est en train d'ajuster son jeu. Mm-hmm. Là, j'entends Drouin, là, il est intense, il est engagé. Dans sa tête, il pense, OK, c'est quoi ma responsabilité ici? OK, je suis mieux d'être ce côté-là de la bataille, je suis mieux d'aller là. Fait que des fois, le côté offensif va prendre un coup. Puis un moment donné, il va se replacer, mais de la bonne façon. Et ça fait partie, et il a eu 24 ans hier, ça fait partie d'un apprentissage d'un jeune joueur dans tout ça. Il a eu 24 ans hier? Oui. Ouais. C'est des langages corporels. Belle recherche. Ah, ben, les médias sociaux, ils te le disent maintenant. Ah, oui? Tu as besoin de rechercher, très bien de te le dire. Mais ça, c'est encore des choses à corriger parce que ça titille beaucoup de monde, ce langage corporel. Oui, ça, j'ai trouvé ça très drôle. Puis certains diront sur nos pages, puis certains diront pourquoi ne pas laisser exprimer le talent d'un joueur offensif au lieu de se concentrer sur la défensive, sur les replis, sur le F3, comme tu l'as expliqué, ça devient difficile mentalement pour le joueur. Mais pourquoi pas le laisser s'exprimer à ce moment-là? Parce que le Canadien est bâti comme ça. T'sais, le Canadien a une façon de gagner. Il faut que tout le monde morde à cet ADN-là. Tu n'as pas le choix. Puis tu n'as pas de... Tu sais, si le côté positif, tu sais, le côté bonbon, le côté qui ça marche offensivement, là, c'est 75, 85, 90 points, OK, là, tu y penses. Mais si c'est 55, 60 points que ça te donne, c'est pas assez pour dire... OK, ça va nous en coûter de l'autre côté. Il y a quelques commentaires sur Facebook. On est toujours là. On va vous laisser dans quelques instants. On va poursuivre la discussion sur rds.ca. Richard dit l'instabilité est leur moyenne depuis la pause du match des Étoiles. C'est ça qui fait en sorte que le Canadien se bat ou n'est pas sûr, assuré d'une place en série. Jamais de longues séquences victorieuses depuis le début de la saison. Quand on referme le jeu et que l'adversaire est plus robuste contre le Canadien, n'est plus là. C'est un bon commentaire de Richard, bonne observation. Puis tu trouvais à 2-1 hier que le Canadien s'est assis, pas assis sur l'avance, parce qu'évidemment, il restait beaucoup de temps. Là. Je ne pense pas que le Canadien s'est assis. Je pense que c'est les Blue Jackets qui les ont. Moi, c'est la perception que j'ai eue. Là. Ouais. Je pense que c'est les Blue Jackets qui ont mal fait paraître le Canadien. Je pense pas que c'est le Canadien qui a lâché ou qui s'est dit après 10 minutes. On patine plus. T'sais, au début du show, je te posais la question, as-tu arrêté de patiner ou c'est les Blue Jackets qui les ont arrêtés? Je pense que c'est les Jackets. C'est les Jackets qui se sont assis. Puis les Jackets se sont mis à protéger la zone, tu sais, surtout les zones dangereuses, puis la zone neutre où le Canadien va bâtir beaucoup de ses attaques. Mm. Puis ce que je te montrais tantôt, c'est ça. Il y a eu les lancers, c'était à peu près égal hier. Ouais. Puis quand tu marques les lancers de la slot, là, de la zone dangereuse, là, entre les points de mise en jeu, plus bas que le top des cercles, là, tu fais l'espèce de tu pars du filet, tu t'en vas au point de mise en jeu en territoire défensif. Une plate au baseball. Ouais, exactement ça. C'est 13, le marbre. Le marbre. Le marbre, la petite plaque de la maison. C'est
13 contre 2 pour les Blue Jackets. Et ça en dit long sur... Tu sais, Mané, quand tu deviens patient comme équipe contre le Canadien, tu deviens patient, tu bloques le centre, la zone neutre, le centre de ta zone, puis tu les laisses aller à l'extérieur. Ils n'ont pas les joueurs qui vont ramener, forcer ces rondelles-là vers l'intérieur et être capables de battre un joueur ou de déranger ou d'amener ces rondelles-là. C'est un peu plus dur pour le Canadien. Ils le font quand c'est un match qui est très rapide, l'échec avant, un revir rapidement, il y a un joueur qui est dans l'enclave. Mais quand c'est tout ralenti, c'est sur le jaune, c'est un peu plus difficile. Les gens sur Facebook, gros merci d'avoir été avec nous, mais ça serait vous dire, mais merci, bye. C'est pas ça que je vais vous dire. Les gens sur Facebook, venez-vous-en. Ça se poursuit sur les pages de RDS, sur la page principale de RDS.ca. Vous allez voir, il y a un lien en haut de la photo. Venez nous rejoindre parce que je vais vous dévoiler un secret sur les notes de Bruno Gervais. Vous voulez savoir ce que cachent ces notes-là, je vais vous le dire. Je vais vous le stouler. On raccroche. Vous voulez juste de... Vous voulez... Merci. Yes! Merci tu l'as eu, ton sort! Ben oui. Guillaume travaille fort. Merci, Guillaume. Bravo. Dan, vous parlez des Blue Jackets. Puis Dan, sur Facebook, tantôt, il disait « Croyez-vous que le DG des Blue Jackets n'aurait pas dû y aller all-in cette année? » Parce que de toute façon, même si les Jackets se classent pour les séries, ils ne seront pas de taille face soit au Lightning, aux Capitals de Washington. C'est pas vrai. Moi, tu sais, que ce soit, je ne dis pas juste ça pour le Canadien, je dis ça pour tout le monde. Une fois que tu es dans les séries, je vais te donner un exemple. Faut que tu ailles le momentum au bon moment. Mettons que les Jackets, là, moi, Vancouver, c'est pas ça qui m'a convaincu, malgré que tout le monde dit que c'est à partir de la victoire à Vancouver. Puis là, ils ont ramassé les Islanders 4-0. Mm-hmm. La quatrième ligne a bulldozé tout le monde. Même affaire hier contre Montréal. Puis là, ils s'en vont faire la même médecine à Nashville. Puis ils rentrent avec du momentum, puis avec leur quatrième ligne qui dérange tout le monde. C'est pas des superstars à la quatrième ligne, mais c'est des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Plus, tu sais, c'est pas des gars de quatrième ligne. Puis là, ils continuent à faire du dommage comme ça. Puis Roransky puis Seth Jones sont jeunes, peuvent prendre beaucoup de minutes en série. Savard Nutivara, je pense que c'est sous-estimé. Je sais pas où Ryan Murray est dans son retour de sa blessure. Puis là, ils ont un Bobrovsky. Puis ils sont capables de marquer des. Tu le sais pas. Autant quand que je disais, quand Pittsburgh était huitième, puis t'es meilleur deuxième, puis je disais, tu sais, ben ça, si ils pognent Tampa en partant, tu mettrais-tu ta maison, toi, sur Tampa contre Pittsburgh? Non. Tout peut arriver en séries éliminatoires. Si je le dis pour le Canadien de Montréal, je vais le dire également pour n'importe quelle équipe, même les Blue Jackets de Columbus. Mais c'est une équipe qui peut parce que, la manière que ça a l'air de continuer, là, moi, je vois Columbus finir premier de des équipes repêchées. Face à Washington, c'est une équipe qui peut sortir Washington. Il était pas loin de là l'année dernière. Je serais pas surpris. Ça serait une série, sa tête comme il fait. Parce que normalement, si Bobrovsky est 90% de lui-même toute la saison, ils sont en course pour le premier rang de la division. C'est pas, ils ont pas vraiment d'affaires. Performance douteuse en début de saison, blessure pour d'un cas de son coach. Ça, on aurait dû mettre de l'argent là-dessus. Qui ne sait pas chicané avec Tortorella? On jase. En tout cas, il y a une couple de collaborateurs ici qui ont déjà témoigné. Allô, Marc! Je voulais dire une couple, je ne voulais pas en cibler un, tout de suite, viens de le dire. Il y a Bruce Lee qui nous écrit. C'est quoi cet effet-là? Je sais pas. Il a pris ça dans son cours de théâtre. Puis ouais, puis il y a une belle photo de Bruce Lee. Je sais pas, là. Les Jackets ont hypothéqué leur avenir pour les 5 prochaines années. Ils ont tout donné leur choix de repêchage alors que le Canadien commence à se reconstruire. C'est assez sage comme commentaire aujourd'hui. Non. On a reçu beaucoup de ce genre de commentaires-là. Mais je suis pas d'accord. Les Blue Jackets, que Kekalainen, c'est pas un stupide, là. Il n'aurait jamais eu la valeur de Bobrovsky et Panarin à la date limite des transactions. Il n'aura jamais une équipe comme il l'a présentement. Il a décidé de la maximiser. Et il le sait très bien. Puis il l'a dit en entrevue. Je pense que quand nos gars vont partir, s'ils partent, on a ce qu'il faut pour les remplacer. T'as pas vu, il n'y a pas longtemps, on parlait d'Elvis machin chose. Ouais, signé. Elvis machin chose. On va l'apprendre son nom, mais pour tout de suite, c'est Elvis. On va l'apprendre bientôt. Pour tout de suite, c'est Elvis machin chose. Mais on l'a dit NHL Ready. Là. Ouais. On ouais, il s'en vient pas. Transactions, il était là-dedans, tu l'as mis sur la table. Hein? On le dit NHL Ready, bien pas pour être backup dans la Ligue nationale de hockey. On dit que ce gars-là devrait avoir un impact dans la Ligue nationale. Mm. Et chaque jeune joueur qui monte du système des Blue Jackets, parce que Kekalainen, c'est un dépisteur chef dans l'âme, c'est un gars qui a fait son nom avec le repêchage. Quand vous dites qu'il a été all-in pour cette année et qu'il n'a plus rien après, c'est pas vrai. Non. Il connaît son réseau des filiales, il sait qu'est-ce qu'il y a dans les mineurs. Et oui, il skip son année de repêchage cette année.
mais je ne suis pas inquiet pour les Blue Jackets. Il n'a pas touché à ses trois meilleurs espoirs aussi dans ses transactions. Ses trois meilleurs espoirs, Dubois est dans la Ligue nationale déjà. C'est un jeune Dubois. C'est un Wendberg là, qui peut remplir les attentes un peu, là, ça viendrait sauver la face parce que là, présentement, c'en est un autre là, qui tarde à remplir les attentes et qui devrait être là et qui a forcé les Blue Jackets à aller chercher un Duchesne. Je suis d'accord. Mais c'est pas un joueur qui n'a plus de valeur. Je vais te donner l'exemple des Hurricanes de la Caroline, compagnie Rask, Victor Rask, qui l'a envoyé au Minnesota pour Nino Niederreiter. Tu sais, un Wendberg peut se transformer encore en quelque chose d'intéressant si ça marche pas en Columbus. C'est pas un gars qui a pas rempli les promesses, puis que c'est pas Benoît Pouliot. Là, non. Okay. Mais tu sais, c'est une filiale, puis les espoirs sont pas encore au niveau professionnel. Que ce soit en Europe ou au niveau junior, universitaire, etc. Parce qu'au niveau. Un peu dans la Ligue américaine, eux autres, c'est un petit peu comme le Canadien. T'sais, c'est pas très profond. Brothers, ou le gars le local, le premier qui est passé, qui a grandi à Columbus puis a été repêché, etc. C'en est un, mais c'est pas un gars d'impact dans la Ligue nationale. Fait qu'il y a quand même un petit trou dans leurs affaires qu'il va falloir qu'ils frappent une coupe de coup de circuit à la Julien Brisebois. Et d'aller chercher soit des joueurs autonomes. Ça se fait maintenant. Tu peux revirer ton équipe rapidement parce qu'il y a une plus grande ouverture à aller chercher des joueurs qui sont en Europe, à amener ça. Fait que c'est une banque de plus. Tu as des dépisteurs partout. Tu es capable de trouver les joueurs qui sortent des universités, qui sont prêts physiquement à venir dans la Ligue nationale. Fait qu'il y a toutes sortes de façons pour venir. Tu t'es créé un trou, tu t'es créé un fossé. Il y a bien des façons de le remplir. Les auditeurs veulent connaître le secret. Là. Ah oui, les notes. Les secrets, ouais. Tu vas dire mes fautes d'orthographe? Absolument pas. J'écris ça dans le noir, c'est vite. Si Martin repère tes fautes d'orthographe, Bruno, là. On a un problème. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont flagrantes. Non, c'est même pas de ça que je vais te parler. Bruno prend ses notes. Écoute la game en français. Ben oui, ben RDS. Tu nous parles à nous autres en français? Oui. Tu prends tes notes en anglais, man. Mais là, OK, ouais, dans ma tête, tout ça passe en anglais. Fait que c'est une double traduction inutile, mais... Ah non, il y a du français ici. Un petit peu. Quelques erreurs donnent jus, Columbus, qui reprend le contrôle, plus le match avance. Ouais. Bon, OK. Mais moi, j'étais... Ça a l'air illettré un peu, mais Bruno... C'est parce qu'il faut que j'écris vite, le jeu continue. C'est pas tout ça qu'on regarde. On parle juste du français anglais. Moi aussi, quand je prends des notes de hockey, écoute, les lits là, on les saute, là. Ah, OK. C'est des mots-clés. Fait que là, quand tu reviens, tu sais, c'est l'histoire, dans le fond, c'est... Comme ça avance. Ah, mais il y a du français. Chat joue l'homme. Mais tout à l'heure, je te regardais. OK, d'après moi, tu as switché au français en chemin parce qu'ici, tu es tout en anglais. Puis ici, c'est en anglais. C'est en franglais. Ouais. Ben du franglais dans mes notes. Domi, stop. Là, c'est même, dans la même phrase, des fois, je vais y aller. C'est correct. Ça. Le mot qui est le plus court. Si je chante deux mots, donne-moi le mot le plus court. Tu sais, l'important. Français, anglais, allemand, russe. L'important, c'est que tu comprennes tes notes. Souvent, il y en a qui prennent des notes et ils sont pas capables de se relire. Là. C'est un peu ça. Déjà arrivé en autre que je fais à Luc. Luc, qu'est-ce que j'ai écrit? C'est ça. Puis, écoute, c'est difficile. Écoute, il y a plusieurs questionnements. Go, show! Et il y a Pat qui écrit. Il écrit trois fois Martin. Fait que je vais jouer le comédien et je vais dire Martin. Les Blue Jackets ont 5 gros joueurs autonomes sans compensation avec rien en retour garanti. L'année prochaine, il y a un choix de troisième et un choix de septième ronde seulement pour cet été au repêchage. Donc, avec plein de petits points, arrête ça. Ça s'appelle all-in, alors qu'à Montréal, on ne voulait même pas sacrifier un jeune espoir. Puis il dit, il n'y a pas d'autre terme que d'y aller all-in. Puis je sais qu'on a expliqué avec la banque d'espoir, là, mais je trouvais ça le fun de lire ça parce qu'il a été écrit Martin trois fois. Comme Bruno l'a dit, en plus, il n'y a pas de chasse de droit meilleur. C'est moi qui l'ai dit, ça. Ça, c'est Luc. Bruno a comme expliqué par la suite. Il n'y a pas de Chalvis. Mais c'est parce que Martin, il dit ça, parce que si Martin était le directeur gérant, il n'y aurait pas de trou à Columbus. Il réglerait tous ces problèmes-là. Demain, pour avoir négocié avec, c'est sûr qu'il réglerait ça. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui s'est creusé un trou. Puis moi, je trouve le timing spécial. Puis on en avait parlé de ça. Quand tu as Werenski, Jones, Dubois... D'identifier cette fenêtre-là comme ta fenêtre, c'est particulier, mais gars, chapeau à eux autres. Puis, tu sais, tout le monde autour du hockey, c'est le fun qu'une équipe fasse ça.
mais ça n'a pas du tout diminué. Okay, j'essaie de garder un certain sérieux dans le show. C'est vendredi, c'est une catastrophe. C'est vendredi. Marius dit, tu sais, vous avez parlé des pertes, puis on passera pas la fin de l'émission, c'est Blue Jackets, là. Mais, ouais. Tu sais, il dit, si le prochain leader l'année prochaine, c'est Matt Duchesne, exemple, là. Il dit ils sont peut-être dans le trouble à ce moment-là. Non, je pense qu'ils ont des leaders comme Foligno qui vont rester en place. Jenner. Mais leader offensif, là, on s'entend. Oui, oui, ça veut pas dire meneur, les lettres. Je pense que Seth Jones, c'est un gars qui prochainement pourrait avoir une lettre avec cette équipe-là. Zach Werenski. Je pense que le leadership de cette équipe-là va plus passer par là que par un Matt Duchesne. T'as un entraîneur en torts qui, si en dans un trou, qu'il n'y a pas de leader qui marche, qui fait que ça marche droit. Il s'en occupe. Il devrait s'en occuper. Comment je pourrais dire ça? Tortorella est encensé sur nos pages. Évidemment, ça paraît bien parce que les Blue Jackets, ça, des fois... C'est maison, c'est facile à la maison. C'est ça. Puis c'est vrai, ce que Normand disait, il n'y a pas de tort. Présentement, c'est une équipe qui est en santé en grande partie. C'est une équipe qui a été chercher de la profondeur. C'est une équipe qui y va cette année pour les séries. Il y avait plusieurs façons... pour lui de s'ajuster. Mm-hmm. Puis la perte de Byron est lourde pour le Canadien parce que tu avais trios qui jouaient très bien contre ces lignes-là. Byron, Thompson puis Will jouaient extrêmement bien. Dano, Gallagher, Tatar. Fait que là, tu en avais deux pour le Canadien. En enlevant Byron, puis je veux rien enlever à Deslauriers, tu sais, c'est pas ça évident d'entrer dans l'alignement puis essayer de... Tu veux pas faire d'erreur, d'essayer d'avoir un impact, puis c'est pas son style de jeu. C'est pas le même trio, là, avec les mêmes responsabilités quand c'est Deslauriers au lieu de Byron. Tellement, c'est un excellent point. c'est un bon point. J'allais dire, j'ai regardé les matchs d'hier et les matchs de ce soir dans la Ligue nationale de hockey. Columbus, on a beau dire qu'ils vont jouer un 2-2 samedi puis dimanche. Samedi à Nashville, 20h. Hey, moi, j'aurais pas dit que ça fait un... Tu sais, ils jouent à 8h à Nashville, sa route. Puis après ça, ils s'en retournent en avion puis ils vont jouer à 6h le lendemain. C'est même pas 24h. À Buffalo. C'est tough, ça. C'est, j'ai raison de penser que c'est tough. Ouais, c'est très il n'y a tough. Pas une équipe qui jouerait à 8h, 7h le soir puis à 1h le lendemain après-midi. Ben non, ben, dans la Ligue américaine, ils font ça. Ils aiment bien ça faire ça. Puis c'est je ne sais pas s'ils aiment ça. Là, mais... Petit pépère. Mais non, c'est des détails comme ça, mais c'est sur tes heures de sommeil. C'est, tu rembarques dans la routine le lendemain puis tu fais juste t'enlever une heure de sommeil là-dedans à un moment où tu en as besoin. Oui. Fait que, en tout cas, que Nashville, par contre, joue ce soir à Pittsburgh. Fait que c'est eux autres qui vont être sur un 2-2 demain quand ils vont affronter les Blue Jackets. Mais on peut, voir le classement, d'ailleurs. Pas le classement, mais... Ouais. Et c'est une victoire que les Prédateurs ont besoin parce qu'eux se font courir après par les Blues qui jouent contre les Rangers à soir. Et les Blues courent après non seulement Nashville, mais ils veulent poigner Winnipeg en première place. Eux qui étaient derniers dans... Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Quand tu parles d'histoire à travers la Ligue nationale... Là, ce que Chief est en train de faire, Berube est en train de faire à Saint-Louis, c'est complètement... C'est quoi la date? Une pourquoi des dates, Chief? Tu sais, comme ça qu'on l'appelait. Il était assistant entraîneur à Philadelphie quand j'étais là. Tout le monde l'appelait Chief. Fait que, mais c'est comme ça. Tu sais, une équipe de même, là, c'est au début janvier qui était dernier dans la Ligue, pas loin de... fait pas longtemps là, que ça a cliqué. Ça coïncidait avec la perte de David Perron, malheureusement pour lui. Là, Bennington est arrivé en décembre. Mais ouais, c'est janvier. Gros, donc, les 25 derniers matchs. Moi, je les ai choisis pour gagner la Coupe avant que la saison commence. Ah oui, les Blues. Puis j'ai été longtemps à me demander peut-être changement de carrière, réorienter mes affaires. Là, je me sens moins mal. Tu sais, l'équipe, tu prends pour la Coupe et dernier dans la Ligue, tu fais comme ouais. Là, t'es, je suis pas à bonne place. Un show de cuisine, peut-être. j'étais bon, moi. D'Aréno. J'aime ça, Aréno. Finalement, il m'a resté une autre année. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le Canadien de Montréal, autre qu'on s'essuie, bon, on commence? C'est juste ça. À ce temps-ci de la saison, c'est juste ça. T'as un bilan à faire de ce match-là. C'est pas impossible de les battre. C'est pas parce que Columbus a réussi à faire ça que bon, ben, c'est impossible pour le Canadien de battre ce genre d'équipe-là. Mais il y a eu des erreurs mentales qui ont mené à une reprise du contrôle de Columbus, puis là, le Canadien avait juste pas assez pour aller reprendre ce contrôle-là. Fait que c'est... Donc, tu recommences à zéro, puis là, tu t'en vas à Winnipeg, puis t'as pas le choix. Il faut que tu continues à accumuler les points. Puis, un affaire avec le Canadien cette année, puis ça, c'est à travers l'organisation, là, Laval et Montréal, ils ont jamais baissé les bras. Ils ont aussitôt qu'on pensait qu'ils étaient à terre. Ils remontaient, puis ils ont tout le temps été au maximum de leur potentiel. Quand tu regardes l'équipe en général, avec combien de gars vont avoir la meilleure saison de leur carrière? C'est la même affaire à Laval. Tu sais, ce que j'ai écrit ici, puis tu riais de moi, tu as corrigé comment j'ai écrit Duchesne, là, mais c'est le but qui a fait de la différence, là, c'est ça, du talent élite. Mm-hmm. Et à Montréal, il y a plein de talent, mais il n'y a pas de talent
élite encore. Il y a même plus que Duchesne puis Panarin. Pour moi, Seth Jones, c'est du talent élite. Wawrinski, c'est du talent élite. Bob, Bobrovski, ouais, tu as du talent élite dans le net. Il est annulé de l'autre côté parce que c'est Bobrovski. C'est pas Peter Mrazek. Hein? Ouais. C'est, je suis d'accord avec ça. Ouais. Si, Guillaume, tu voulais, on pourrait montrer le calendrier des derniers matchs pour chacune des équipes qui est impliquée dans la course aux séries. On en parlait en début d'émission. Le Canadien prend une fin de saison average pour Columbus, un 3-5 ou même un 2-5. Mais on va y aller avec un 3-5. Là, 3 victoires en 5 matchs, ça leur donne 6 points. Le Canadien, pour faire 6 points, il faut qu'il gagne 3 des 4 matchs contre Tampa, Toronto, Winnipeg ou Washington. Mm-hmm. Puis ils ne passent pas. Ça prend un 7e point s'ils veulent passer. Si jamais les Jackets remportent 3 des 5 derniers matchs. Puis tu sais, mettons, on prend Buffalo, Rangers, Ottawa, ça se peut, là. Mm-hmm. Buffalo, puis Boston, il est pogné à écoute, personne ne peut mettre de l'argent et dire « je prends pour… » ça va être serré jusqu'à la fin. Ben même la Caroline, en fait, là, t'sais, Philadelphie, New Jersey, je sais qu'ils ont de la difficulté contre les Flyers, ils affrontent deux fois. À domicile, les Hurricanes, Philadelphie, New Jersey, je m'attends à ce qu'ils prennent et qu'ils gagnent. T'sais. Sa route, enlève-leur, Pittsburgh, ils ne l'ont pas, Toronto, ils ne l'ont pas. Ils devraient avoir filé… En tout cas, regarde. Au Philadelphie, tu sépares, là, une victoire, une défaite. Mais ce que Columbus a fait en gagnant ce match-là, puis c'est d'être capable de décider de ta destinée. De faire que nous, on gagne ces matchs-là, on n'a pas besoin de compter ce qui se passe ailleurs, on s'occupe de nos choses, puis on passe. Ça, c'est une chose. Mais à ce temps-ci de l'année, selon moi, le classement, là, roule, mets ça, chiffonne-moi ça, puis mets ça d'une poubelle, parce que les équipes qui sont hors des séries, il y a ce phénomène-là de jouer quand tu n'as rien à perdre, là, c'est dangereux. C'est très dangereux. Et Philadelphie, là, il manque pas de power offensivement. Puis c'est le genre d'équipe que, OK, là, t'enlèves le côté stress, puis il faut absolument faire les séries, puis ils ont des matchs à jouer. Ils aiment ça jouer les troubles à fête. Pour avoir été dans cette situation-là à quelques reprises, ces matchs-là, on dirait que t'en as encore un peu plus. Hey, quelques avec un reprises, bon gardien. Quelques reprises. Avec un S, OK? Avec un bon gardien, avec un bon gardien aussi. Là. Un S comme dans souvent? Mais c'est ça, avec un bon gardien aussi. Là. Avec un bon gardien. Ouais, c'est fait que tu le sais pas, puis il y a des équipes, peut-être que le Canadien va frapper quelques gardiens réservistes. Peut-être, tu sais, c'est la nature humaine que tu vas tout donner sur un match, mais je parle du Lightning, là, tu vas tout donner. Mais avant de me mettre le patin devant le lancer de Shea Weber, quand je sais que je m'en vais en série après, je vais peut-être, elle va peut-être me passer juste à côté. Juste pour jouer, je vais jouer aussi intense, mais plus intelligent. Fait que des fois, tu as des petits matchs de même où le Canadien peut aller squeezer des points. C'est pas fini, Martin. Le Lightning joue à Ottawa lundi. C'est Vasilevski, je sais pas, il va jouer. Selon les nouvelles qu'on a eues, ils vont emmener la moitié de l'équipe à Ottawa puis l'autre moitié à Montréal, puis ça serait comme suffisant. Comme des matchs pré-saison, c'est bon. Je vais faire le Lightning A, Lightning B. Hey, avant qu'on se lèche, Josh Brooke va aller finir la saison à Laval, ça te dit quoi? Moi, c'est une bonne chose. C'est le fun pour lui de venir vivre cette expérience-là, d'apprendre à connaître Joël Bouchard, Burrows, Daniel Jacob pendant les matchs. C'est une belle expérience pour ces joueurs-là. Puis là, c'est plat parce que le Rocket ne s'enligne pas pour faire les séries. On a vu ça souvent, des joueurs juniors arriver, venir finir la saison dans la Ligue américaine. Tu fais juste allonger ta saison. Pour lui, ça va être de tester ça. Fait que c'est une petite avance qu'il prend pour le camp l'année prochaine. Il va prendre la place à qui? Ça va être... J'ai bien hâte de voir parce que la brigade défensive du Rocket a très bien fait. Mais là, c'est là que tu t'assois et tu regardes la situation contractuelle et tu regardes ton plan l'année prochaine. Ça reste une ligue de développement. Carl Osner. Oui, non, c'est ça. Imagine, il va se faire sortir par... C'est un défenseur droitier. Fait que, si tu regardes Il a joué à gauche pas mal, par exemple. Oui, mais... il a joué à gauche. Il est excellent avec Cale Fleury. Tu sais, Cale Fleury a pris des pas de géants cette saison, puis c'est parce qu'il a côtoyé des Xavier Ouellet puis des Carl Osner dans son jeu. Il va souvent être avec lui. Puis Osner, là, je m'avance un peu, mais Osner, c'est un des gars dans la ligue. Tu sais, il fait beaucoup de D2D. Dans sa tête, lui, il vient de l'école, je reçois la rondelle, je la donne à mon partner. Uh-huh. Je reçois la rondelle, je donne à mon... Fait qu'il en fait 13 à 15, 16. C'est juste parce qu'il ne veut pas faire de mauvaise passe. C'est intéressant, sérieux. Mais tu mets un gars à droite qui veut la rondelle, puis qu'à partir de là, fait que si tu sais que Cale Fleury reçoit la rondelle de 13 à 15 fois par match de son partenaire, puis de là, c'est lui qu'il faut qu'il relance l'attaque. Il travaille là-dessus, lui, depuis qu'il est avec Osner. C'est excellent pour son développement, puis il fait très, très bien avec ça. Puis là, tu sais, si deux fois tu fais des revirements, mais tu sais que tu en as
tu sais, 11 à 13 autres fois que, bon, mais là, regarde, j'ai fait une erreur, je vais réessayer, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais Laval n'est pas en train d'essayer eux aussi de rentrer en série. Ils sont pas terminés. Même affaire, eux autres, ils ont un calendrier extrêmement difficile. Puis il y avait un match, ils jouaient contre l'avant-dernière équipe dans la Ligue. C'est mercredi. Les Devils de Binghamton. Match que vous avez fait RDS. Ils l'ont échappé. Fait que là, ils se sont tirés dans le pied. Ça va être très, très, très difficile. Fait qu'il n'y aura pas l'histoire de on se bat pour une place en série, ils ne peut pas faire jouer les jeunes, ils vont jouer. Non, ils vont jouer. Ils jouent samedi, là. Ouais. OK. Ouais. C'est tout. C'est tout. C'est pas mal tout. Oui, oui. Mais l'image est excellente, Martin. Sérieux. Mange tes légumes, Martin. Oui. Mais au rapetit. All right. Quelques commentaires avant qu'on se quitte. Écoute, Marius parle de Cale Fleury qui a hâte de voir justement l'année prochaine. La saison n'est pas finie du Rocket. Avez-vous encore un match à RDS? Oui, là, justement contre Cleveland, l'équipe école des Blue Jackets de Columbus. T'as pas joué là, toi, Cleveland? Avril. J'ai joué là, mais dans le temps que c'était l'équipe école de l'Avalanche. Là, ça bouge beaucoup dans la Ligue américaine. Là. Mais oui, c'est le 5 avril. C'est un des derniers matchs avec le Josh Brook. Je ne sais pas, il y a Tiska qui pourrait peut-être venir se joindre à l'équipe. Ça se voit, c'est des gars qui arrivent du junior pour venir avoir un impact. Moi, je me rappelle ma première année dans la Ligue, les Phantoms de Philadelphie avaient reçu deux jeunes joueurs juniors, Jeff Carter puis Mike Richards. Mm. Ah. Puis Carter avait fini meilleur scoreur des séries. Il avait gagné la Coupe Calder. Price l'a fait avec Hamilton quand il finit son junior. Ouais. C'est le fun de voir ces gars-là arriver. Puis c'est là que tu vois ceux-là qui sont prêts à faire le grand saut junior à la Ligue nationale ou ceux qui ont besoin d'un peu de peaufinage dans la Ligue américaine. Nouvelle de Noah Jolson? Il a recommencé à patiner. Il avait recommencé à patiner. Il est tombé malade. La grippe, vilaine grippe qui se promène beaucoup dans la chambre du Rocket et à travers bien des places un peu partout au Québec. Mais c'est extrêmement positif. Je pense pas qu'ils vont forcer les choses en son cas, mais si tu es à 100% et que tu es clair de jouer mentalement pour un joueur, d'être capable de jouer un ou deux matchs avant la fin de la saison puis sentir que tu as fini ta saison en santé, c'est énorme. C'est énorme mentalement. Fait que s'il est capable, s'il est à 100% puis il n'y a aucun risque, ça serait super le fun de le voir dans l'alignement du Rocket parce que mentalement, ça va aider le jeune. J'ai une dernière question, là. Olofsson? Pas cette année. Okay. Pas Il a-tu recommencé un peu à patiner? Je ne l'ai pas vu autour encore. Okay. Lui, c'est assez majeur là, quand tu parles de deux opérations à la même épaule, à un jeune âge. Mais je ne serais pas surpris de voir le Canadien garder ses droits. C'est un beau risque qu'ils ont pris sur lui. C'est un donné talent. Quand même pour lui. Ouais, mais c'est un beau talent. Fait que, tu sais, rendu là, tu es aussi bien. Parce que le joueur, je pense pas que... Il va juste vouloir avoir une autre chance. Fait que à ce moment-là, tu peux le garder dans tes rangs puis le placer comme défenseur gaucher. Je me demande s'il vient juste d'arriver à Laval, s'il avait le droit de se faire opérer sa carte d'assurance maladie. En tout cas. C'est-tu là-dessus qu'on s'en va? Parce que oui. Parce que là, si vous avez remarqué, on n'a pas parlé d'attaquant du tout. Fait que c'est plus encourageant à la défensive présentement qu'à l'attaque. Ah, puis je veux te féliciter sur ton entrevue avec Burroughs. Ah, merci. Il est le fun à interviewer. Il est super. Ben, toute la gang, Daniel Jacob. Ça, c'est le genre d'entrevue. Tu prépares une ou deux questions, puis tu en as pour une demi-heure. Ah, that's it. Ah, puis à chaque fois, on défonce souvent, puis on est tout en train de réarranger le reste là, du script du match. Là. Mais tu sais, avec Joël, c'est la même affaire. Là. Des fois, il en donne, puis c'est trois passionnés. Là. Tu vois que. Au niveau développement à Laval, là, le Canadien là, est bien anti avec ces gars-là, à quel point ils sont passionnés, sont impliqués dans les pratiques, dans les matchs. C'est vraiment le fun à côtoyer. Puis tu l'as vu, tu as eu une affaire avec l'équipe, là, ils ont été au-delà, ils ont vraiment au-delà des attentes. Puis quand tu parles de talent, là, c'est des gars là, qui ont mordu l'attitude. C'était écœurant des gars du début à la fin, ils n'ont jamais abandonné. Là aussi, il n'y a pas de talent pur offensif. Puis ils ont réussi ce qu'ils ont réussi à faire cette année avec les joueurs qu'ils avaient. Puis là, tu parles. McCarron a été blessé. Sherback a été ramassé. Agostino est parti. Chaput a été échangé. Ils ont fait un échange. Deux joueurs qui sont partis de la Ligue américaine. Puis les deux joueurs qui ont reçu sont arrivés dans la Ligue nationale. Tu as eu un gros trou au niveau de ta Ligue américaine là, de 7 joueurs avec le balatage et tout. On aurait dû vous laisser des réussi. Ce qu'ils ont réussi à faire, là, c'est chapeau. Chapeau. Non, c'est Chaput qui est parti. Puis c'est Dale Weiss qui aurait dû venir. Puis tout ça, ça se coule. Je lève mon chapeau. À tout ça. Okay. Merci, Martin. C'est tout. Carte d'assurance maladie. Ouais. Prochain coup, on débattra là-dessus. Bon week-end. Bon week-end. Ne manquez pas sur nos ondes. C'est rare qu'on le fait, là, parce que... Ben, pas c'est rare, là. Mais regardez nos ondes aujourd'hui, là. Le tennis, nos deux Canadiens en demi-finale à Miami. C'est tout simplement hallucinant. Auger Aliassine, un petit Québécois, l'ancienne Lorette, qui est le plus jeune joueur de l'histoire à faire les demi. Il était le plus jeune, troisième plus jeune au quart de finale. C'est-tu accompagné de qui? Raphaël Nadal, puis je pense Stéphane Edberg.
Oh, très bien. Hein? Pas super. Puis là, il est rendu le plus jeune ever à être en demi-finale. Puis l'autre, Shapovalov, va jouer contre Federer. Juste ça. Ah, le jeune Federer. Le jeune Federer. Tu sais que Federer, c'est RDS, j'ai appris ça. Son âge. Quand il jouait sur le grand circuit, Chapeau était pas né. En fait, si tu additionnes l'âge de Félix Auger-Aliassime et celui de Shapovalov, ça donne l'âge de Federer. Oh, tu vois. Ouais. Ça donne. C'est sur nos ondes, 13h à la première demi-finale, l'autre demi-finale 19 ou 19h30. Regardez la grille horaire, bien sûr, pour avoir les résultats exacts. Luc Danseau, un gros merci. Merci à vous autres, les gars. Merci, merci Bruno Gervais. Merci à toi. Je me sens bien à côté de toi. Merci. Merci à Guillaume à la mise en onde. Puis on se rejase demain en espérant. Pas demain. Demain, lundi. Caroline, j'aime ça faire ce show-là. Lundi, en espérant qu'il faut que le Canadien gagne, parce que s'ils perdent contre Winnipeg, ça va changer le style de show. Tu vois, tu vas faire le show à terre. S'ils perdent contre Winnipeg, tu vas faire ça à terre. Ça va aller pas bien. Gros merci d'avoir été là. On se rejase lundi. Bye bye.